Yo les amis, ça y est, on est en live. J'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi pour votre deuxième semaine et votre deuxième cours déjà de la semaine de votre challenge pendant ce troisième confinement. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien installés. Aujourd'hui, on a juste besoin d'un tapis. Et puis, on est parti à peu près pour aller 20 minutes pour cramer les abdos. On va faire exclusivement des abdos aujourd'hui. Donc, si vous voulez, parce que il faut savoir, j'attends un petit peu que vous arriviez et je vous parlais un petit peu, mais si vous voulez vraiment avoir une taille fine, avoir un ventre plat, etc., il y a des exercices pour rentrer le ventre plat. D'ailleurs, le programme d'Aurélie et Jessica, le VP4S, le fait très bien. Mais à côté de ça, si vous voulez vraiment perdre la couche de gras qu'il y a autour, il va falloir faire du cardio à côté et en l'occurrence, le HIIT est le cours le plus idéal, le plus idéal, ça se dit pas trop, mais le cours parfait justement pour perdre cette couche de gras. Donc, tapez sur internet HIIT Move Your Fit et vous allez forcément trouver votre bonheur. Voilà, j'attends un petit peu que ça arrive. Encore une fois, merci d'être aussi fidèle pour ce troisième confinement avec vous. Vous savez qu'on vous accompagne 4 fois par semaine à 10h30. Donc, pensez vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube, activer la petite cloche, comme ça vous serez tenu informé de chaque nouvelle vidéo. Et si vous n'êtes pas là à 10h30 le matin, il y a énormément, il y a même, allez, 80% des gens qui le font en replay. Eh bien, c'est génial. Voilà, merci de votre fidélité. Continuez encore à partager la bonne parole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Alexandre Maguet. Je suis coach sportif diplômé d'État depuis 2003. Et oui, depuis 2003, déjà 18 ans qu'on fait ça avec Jessica, parce qu'on a été diplômé la même année. Et voilà, donc je pense qu'on a assez d'expérience pour vous faire des cours tout en sécurité et puis toujours dans la bonne humeur, évidemment. Pour les nouveaux, on a un petit cadeau, c'est les 10 conseils pour être au top physiquement. Je vous mets le lien dans la description. C'est des conseils fitness, santé, nutrition, bien-être. C'est déjà des conseils qui ont permis à des milliers de personnes de se transformer parce que il y en a qui ne suivent pas notre programme T12S, mais voilà, qui ont appliqué ces conseils à la lettre et qui ont déjà permis d'avoir des résultats. Donc déjà, si vous nous découvrez, commencez comme ça. Et puis après, si vous voulez aller plus loin avec nous, eh bien, vous pourrez évidemment. OK, tout est dit. J'attends encore 30 petites secondes que tout le monde s'installe. On va alterner. On va faire un petit peu de gainage. On va faire un petit peu d'exercice pour aller chercher vraiment les grands droits, les obliques. On va rien passer au hasard. On va rien manquer. Et vraiment, ça va brûler, oui, ça va brûler, mais encore une fois, c'est pour votre bien. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On va pouvoir s'installer. On s'allonge sur le ventre. On commence avec du gainage. Un gainage, tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis, voilà, c'est parti. Bon, et à la fin, restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais vous montrer l'endroit de malade dans lequel je suis. Oui, vous savez, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, on est venu se confiner ici dans la région d'Annecy parce que on a des programmes, des nouveaux programmes à tourner. Donc, restez bien connectés. D'ailleurs, suivez-nous sur Instagram parce qu'on va vous faire voyager un petit peu. Et là, la vue que j'ai là, c'est bien sympathique. Voilà, Instagram, Alexandre Maguet, tout simplement. On y va? Allez, on s'allonge. Hop, sur le ventre, on va s'étirer un petit peu. Allongez vos jambes, regardez droit dans le sol. Je n'ai pas mon micro, mais vraiment, regardez dans le sol. Ne relevez pas la tête, sinon vous allez vous faire mal aux vertèbres cervicales. Ok? Vous tendez vos jambes, vous tendez vos bras. Ok, super. On va venir en appui sur les coudes. Voilà, tout de suite, vous venez en appui sur les coudes. Hop, je me mets un petit peu comme ça. Voilà. Et vous allez tout de suite aspirer le nombril, comme on dit. D'accord? Vous aspirez le nombril, vous rentrez le ventre. Clac. Alors, si vous voulez rajouter une petite musique de fond, vous pouvez, comme ça, si ça peut vous motiver, si ça peut vous dynamiser, vous pouvez. Nous, on va en rajouter dans pas longtemps.
On a juste un petit souci technique, enfin pas un souci technique, mais on est en train de régler un petit truc pour que tout soit vraiment optimum. Ok? Vous vous placez sur les coudes, vous aspirez le nombril, vous rentrez le ventre, et là tout de suite, déjà là, à l'instant T, je sens mes abdos. Est-ce que vous aussi vous le sentez? Oui? Oui, mais moi j'ai une petite couche de graisse. Ben, moi aussi j'ai une petite couche de graisse, on a tous une couche de graisse, ok? Mais on a tous des abdos. Donc si ça peut vous rassurer, on a tous des abdos. Ok? Hop! Et tout de suite, tu te places sur les genoux. Et tu restes. Tu aspires le nombril. Clac! Voilà. Renforcez bien. Hop! Soufflez bien. Voilà, le ventre est rentré. Et là, dans cette même position, j'essaye. Si je ne peux pas, c'est pas grave. J'essaye de passer sur la pointe des pieds. Clac! Et je reste. Et là, là, on est engagé. Allez. Soufflez bien. Encore, 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 encore. Et je relâche. Vous voyez, rien que ça déjà, on a bien engagé ses abdominaux. Ok, moi je les ai bien sentis, j'espère que vous aussi. Et on y retourne pour une deuxième série, on se place. Voilà, là c'est un petit peu, il n'y a pas vraiment d'échauffement là, sur ce genre de cours. Mais voilà, c'est une phase un petit peu plus cool, ok, pour l'entrée. On aspire le nombril, clac, hop, 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 le regard toujours dans le sol, sur les coudes. Et je monte, clac, voilà, je reste en appui, j'essaye de ne pas faire la pyramide, j'essaye de ne pas cambrer et je reste en statique. Si c'est trop dur sur la pointe des pieds, on reste sur les genoux, ok? C'est ok pour moi, c'est ok, aucun souci. Et je reste, et je reste, et je reste, et je reste. Encore une fois, encore. Voilà, on essaye de passer sur les pointes des pieds. Allez, ensemble, 10 secondes ensemble, oui. Allez, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sur les genoux. Et on reste. Allez, encore, 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 encore. Soufflez bien. On va repartir pour une deuxième série sur la pointe des pieds, 10 secondes. Oui, oui, tu peux le faire. Allez, courage chez toi. Hein. On y va pour 10 secondes. Let's go, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche, je viens m'asseoir sur les talons. Vous gardez les bras tendus devant. Voilà, gardez les bras tendus devant, soufflez bien. Ah. Ah. Comment ça va? Ça va? Celui-ci, ça va? Ok, vous allez venir vous allonger sur le dos. Allez. Ensemble, on s'allonge sur le dos. Tac, je vais mettre mon petit chrono ici. Clac. Ah, on appuie. Hop, les mains derrière la tête. On ne va pas casser la nuque. Ok, les mains, c'est vraiment juste pour accompagner le mouvement. On va chercher en haut. Vous allez souffler sur la montée, descendre, inspirer. Mais vraiment, il ne faut pas casser la tête comme ça, parce que ce n'est pas des crunchs débiles, ok? Non, non, ce n'est pas ça qu'on veut. Nous, c'est vraiment localiser sur les abdos et aller chercher en haut, ok? On y va? On y va doucement. Il faut mieux y aller plus doucement, ok? Soufflez. Encore. Super. Souffle. Excellent. Souffle. Parfait. Allez, excellent, hop, hop, allez, cherche en haut, en haut, en haut, en haut, en haut, en bas, en haut. En bas, c'est ça. Plus haut. Oui. Et là, je sens les abdos travailler. Allez. Allez, encore. Je me dis un petit peu vos commentaires. Allez, montez, montez, montez. Oui. Ah oui, ça brûle. C'est normal. Allez, encore, encore. En haut. En bas. En haut. En bas. Excellent. Allez, soufflez bien. Mouvement toujours fluide. Hop. Encore, encore, encore.
Encore pour 10. Yes. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. On reste en haut. Bougez plus. Bougez plus, bougez plus, bougez plus. Restez en position haute. Allez les amis. Encore, encore. Un petit étage plus haut. Oui. Allez, clac. Et on maintient. On maintient en statique. Encore. La main gauche derrière la tête pour soulager. Et la main droite va venir chercher la cheville. Allez, 10. Ouais. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. On change de côté. Let's go. Yep. 1. 2. 3. Si c'est trop dur. 4. 5. 6. Je finis ma phrase. 7. 8. 9. 10. Si on alterne droite et gauche. 1. Et 2. Voilà, droite et gauche. Si c'est trop dur, vous vous reposez un petit peu. Voilà, vous alternez toujours. Vous vous reposez un petit peu, voilà, les cervicales et tout ça. Et puis, on y retourne, OK? Il n'y a pas de compète, en fait. Si vous dites, ah, je suis nul, mais t'es nul de quoi? Il y en a, ils sont dans leur canapé, ils sont en train de rien faire. Toi, t'es en train de faire du sport. Donc, t'es pas nul, bien au contraire, OK? Allez, on alterne, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et ça brûle, et ça brûle. Allez, encore, souffle. Souffle. Ouais. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Excellent. Pour 1, 2, 3, 4. Dernière fois. 1, 2, 3. Dernière fois. Reste au milieu. Reste au milieu. Allez. Va chercher en haut. Va chercher bonheur. Plus haut, plus haut, plus haut. Soufflez. Excellent. Et je reste. Et je reste. Et j'engage mes abdos. On y va pour 10. Les 10 derniers comme ça. Allez, courage. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et je relâche. J'allonge les jambes. Je tends les bras. Et je m'étire. Allez, soufflez. Ah. Allez, j'ai pas pris de bouteille, mais pensez à boire. Hein. N'attendez pas que je vous le dise. Pensez à boire un petit peu. OK, on a bien travaillé les obliques, le haut des abdos. On va travailler un petit peu le bas des abdos. Comment on fait? Alors, on travaille le bas des abdos, c'est pas pour autant qu'on va perdre le bas, la graisse qui est en bas. Parce que, encore une fois, on ne localise pas une perte de gras. Ok? Juste là, on travaille le bas de ses abdos. Comme je travaille mon biceps, je vais pas perdre du gras sur le biceps. Ok? Petit rappel. Petit rappel. Hop! On relâche la tête, les mains sous les fesses et on enroule le bas du dos. On enroule. Clac! Voilà, enroule, tout doucement. Si c'est trop dur, tu fais juste ça et tu reposes, OK? Sans pour autant aller chercher plus loin. Mais sinon, hop, il faut vraiment enrouler le bas du dos. Voilà. Et soufflez bien. Excellent. Encore 10. Allez. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Tu tends la jambe droite. Tac, et tu restes. Soufflez, soufflez. Voilà. Relâche la tête si tu veux. Hein.
D'accord, c'est comme tu veux. Soit tu gardes les deux épaules décollées, voilà, pour engager encore un petit peu plus tes abdos et tu changes de jambe. Allez, on change. Soufflez, soufflez. Et on reste, et on reste. Encore. Hop, changez. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1, et on change. Et 5, 4, 3, 2, 1, et on change. C'est ça. 5, 4, 3, 2, 1, changez. Super. 5, 4, 3, 2, 1, encore une fois. 5, 4, 3, 2, 1, et dernière de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, et je souffle. Est-ce que vous sentez vraiment bien la différence entre les deux? Ok? Là, on était jambes fléchies. On va encore accentuer un petit peu plus le niveau en tendant les jambes. Voilà, si tu tends les jambes, là, tu vas augmenter encore la résistance dans le bas du dos. On essaye? Allez, les mains derrière la tête si tu veux et t'enroules. Hop! Voilà. Clac! Clac! Allez, levez-moi vos fesses derrière! Allez, je sais que c'est dur, mais on essaye. Clac! Voilà. Hop! Hop! Soufflez. Parfait. Soufflez. Encore. Excellent. Allez, encore les 10 derniers, on y va ensemble pour 10 et 9, 8, 7 et 6 et 5, 4, 3, tu vois comment je galère? 2, 1, et je relâche. Soufflez. Soufflez. Dernier exercice sur le dos et après on va passer sur le côté. Ok? Ah bah oui. Hein. J'ai dit, hein, c'est 20 minutes d'abdos intensifs. On ne lâche pas, tu pars pas, tu restes avec moi. Allez, soufflez bien. Voilà. Et là, on va recroqueviller complètement. On va enrouler les épaules. Hop. Et on va enrouler le bas du dos pour vraiment amener les genoux aux épaules. Ok? Les mains derrière la tête si vous voulez. Les mains au sol si vous voulez. Hop. Et on enroule. Souffle. Souffle. C'est ça. Si c'est trop dur, regarde, t'en fais un. Et tu reposes. T'en fais un. Et tu reposes. Et si tu as l'habitude, hop, eh bien tu engages un petit peu plus et tu restes toujours en tension. Allez, voilà. Excellent. Soufflez bien. Encore, encore. Allez, 10. Et 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste en haut, restez en haut, restez en haut, restez recroquevillé complètement, complètement. Enroule, 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 enroule. Encore. Encore plus haut, plus haut, plus haut. Je sais que tu peux le faire. Allez, Laetitia, on y va, on y va, on y va, on y va. Allez, Marie, encore, 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 plus haut. Encore, encore. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Pas d'insultes dans les commentaires, s'il vous plaît. Je suis là pour votre bien. Je vous aime, moi aussi. Ok. Soufflez un petit peu, buvez un petit peu. On va se placer sur le côté. C'est bientôt fini. Allez. Courage. Hop. Vous allez vous placer sur le côté, comme ceci. Ok. On se place sur le coude. Jambes fléchies ou jambes tendues, comme vous voulez. On a suffisamment d'options
pour faire l'exercice. Ok, je vais vous montrer plusieurs options. Le but du jeu, ça va être d'engager ses obliques, de monter les fesses. Regarde, si je pose la main au sol, si je me place sur le coude, si je fléchis la jambe, ça donne ça. Ok, juste ça comme ça. Ça, c'est vraiment l'option facile. Tu peux le faire en poussant un petit peu avec le bras. La deuxième option, c'est tu places les mains ici au coude et tu montes au bassin et tu montes et tu descends. Troisième option, on monte, on descend. On y va? On en fait 20? C'est parti? 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, et on relâche. Si c'est trop, si ça vous fait mal au coude, vous pouvez doubler comme ça votre tapis ou mettre complètement un coussin de côté, un coussin sous le coude. Ok? Même chose de l'autre côté. Hop, on se place. Hop, sur le genou ou sur la pointe des pieds et c'est parti pour 20. Hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et je relâche. Soufflez, récupérez un petit peu, mettez-vous comme vous voulez, vous allongez au sol, comme vous voulez. Ça va? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour une dernière série à droite et à gauche. Après, on finit avec, allez, 30 secondes de gainage et ce sera OK. OK? Allez, tout de suite, on se remet de l'autre côté et on y va pour 20. Allez la team, je vous motive, on est ensemble. 1, comptez avec moi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on change tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Allez la team, lâche rien. 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dernière surprise, on a dit la planche, on y va pour 30 secondes, 1 minute. Allez, 1 minute. Allez, gainage, 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 gainage. Et tu restes. Allez, t'as 1 minute comme ça à tenir. Je te regarde, je te regarde. Je suis avec toi. Ok, même si tu as lâché, tu repars. Tu te mets sur les genoux, tu repars. On ne s'arrête jamais complètement. 45 secondes. Allez la team, c'est fini après. Je vous laisse tranquille. Vous allez à la douche ou alors vous enchaînez sur un hit. C'est comme vous voulez. Mais en tout cas, ce cours-là, il sera fini. Encore, encore, encore. Allez, je regarde le chrono. 30 secondes. Allez, encore 30 secondes. Jusqu'au bout. Même si tu as lâché, reprends. Allez Martine, allez Jean-Diane. On reprend, encore. Oui, je te parle à toi. 20 secondes. Encore, encore. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. 15 secondes. On compte avec moi, compte avec moi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, basta! Bravo les amis, restez, restez, allongez-vous sur le dos. Voilà, allongez-vous sur le dos, tranquillement. On se grandit, on pousse sur la pointe des pieds. Ah. Soufflez bien. Voilà. On relâche.
Bravo les amis, je suis fier de vous. Hop, venez vous asseoir. Ici. Hop, on se grandit, on va chercher de l'autre côté. Hop, même chose de l'autre côté, on va chercher, hop. Excellent, on arrondit le dos. On arrondit le dos. Inspirez, ouvrez. Et on souffle, on relâche. Bravo les amis, j'espère que cette séance vous a plu. Merci pour votre fidélité. Encore une fois, pensez à partager cette vidéo. Et si vous voulez aller plus loin pour avoir un ventre plat, bah, il y a le programme VP4S d'Aurélie et de Jess. Je vous les mets le lien dans la description. On se retrouve très très vite. Jeudi, ce sera Jessica. Et on se retrouve tout de suite sur Instagram. Alexandre Malier, on se fait un petit live. Je vous montre la vue que j'ai là. Et puis, bah voilà, ce sera top. OK? Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente journée. Bravo à vous d'avoir fait ce cours. Bravo pour votre fidélité. Et puis, bah voilà, j'ai rien à rajouter. À tout de suite sur Insta. À très vite. Et après, jeudi. Et moi, je vous retrouve samedi. Et on n'oublie pas les amis. Pouh! On lâche rien.